cette concorde-là. Mais en fait, c'était la première fois. Le football français avait gagné un championnat d'Europe en 84. C'était à domicile contre le Brésil. C'était le Stade de France, c'était tout neuf. Ouais. C'était un alignement des planètes aussi. Ouais, non, mais voilà, c'est tout ça. Moi, je suis rentré dans mon village, il y avait 5 000 habitants. Il y avait 10 000 personnes sur la place publique. On dit, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ouais. Attachez vos ceintures. Embarquement immédiat pour un éclair de guenilles. Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guenilles et son équipe dans Un éclair de guenilles. Finalement, on était bien en 98. Oh, c'était génial. Heureusement qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. On en rigole, on en rigole quelquefois avec les autres parce que, bon, bien sûr, il y a une petite histoire. Mais on se dit maintenant, c'est, je ne sais pas si c'est passé ou quoi, mais on se dit heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce qu'on n'était pas plus sages que les autres. Mais c'était encore plus incroyable parce qu'on connaissait vraiment tous vos noms de toute l'équipe. C'était alors qu'il n'y avait pas de. Quelle image mythique. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de réseau. Pour les plus jeunes qui nous regardent, il faut rappeler que 98, quand la France gagne cette première étoile à la Coupe du Monde, tout le pays est solidaire et fraternel. On a encore la chair de poule. Il y a un terrorisme aussi par rapport à 2018 où on a vu leur descente des Champs-Élysées, c'était une catastrophe parce qu'il y a toutes les barrières de sécurité. Nous, c'était en plein milieu, c'était la fête au village. Est-ce que tu mais même le soir de la victoire, les Champs-Élysées, c'est une fête, c'est une vraie liesse. Il y a eu très peu de dérapages, il y a eu un moment de communion extraordinaire. C'était génial. Franchement, c'est génial. Mais vous savez, moi, ce qui me sidère encore maintenant, on est 23 ans après, c'est ça ? Ouais, 23 ans après. Tous les jours, on m'en parle. Tous les jours. Et surtout, les gens, la plupart du temps, me disent merci. Oui. Ils ne disent pas bravo. Ils disent, oh, c'est génial ce que vous avez fait, bravo. Non, merci. On a passé un été d'enfer. Mais on a envie de vous dire génial. Merci. Parce que la dernière fois que la France était en concorde comme ça, c'est grâce à vous. Mais oui. C'est la dernière fois de l'histoire. Pour le moment, ça s'est pas. On espère que ça va se reproduire. Ouais, j'espère aussi. De retrouver cette concorde-là. Mais en fait, c'était la première fois. Le football français avait gagné un championnat d'Europe en 84. C'était à domicile contre le Brésil. C'était le Stade de France, c'était tout neuf. Il y a l'alignement des planètes aussi. Ouais, non, mais voilà, c'est tout ça. Moi, je suis rentré dans mon village. Il y avait 5 000 habitants. Il y avait 10 000 personnes sur la place publique. On dit, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ouais. Mais démentiel, on remercie. Moi, j'ai dit sans les Français, on n'aurait pas gagné. Parce qu'au départ, on s'est fait défoncer par les journaux. Et les Français se sont. Je me rappelle, Pierre Arditi, il passe à une émission à l'époque, c'était. Antenne 2. Et il dit. Oh bah écoutez, nous on fait moitié prix pour les femmes, venez pendant la Coupe du Monde, tout ça, parce que les femmes ne faisaient pas partie du football. Ouais. Et en fait, ce sont les femmes qui allumaient, parce qu'il y avait les beaux Emmanuel Petit et compagnie, et Manuel Zarazou. Et donc, elles allumaient. Et puis en plus, elles ont adoré le football, et elles sont parties, c'est elles qui ont amené tout le monde. Et je crois qu'Arditi a fermé le théâtre. Ben c'est ça. Franck, est-ce que tu es resté en contact avec l'intégralité des joueurs de l'équipe de France de l'époque? Alors oui, alors en plus là, début décembre, on a un repas annuel. Alors qu'on a dû. Un repas annuel. Et on va fêter les 80 ans de Mémé Jacquet. Je crois que c'est notre idole à tous. C'est Dieu, moi je l'appelle Dieu. Il m'a choisi, donc j'appelle Dieu. Il va bien, il a eu des petits problèmes de dos il y a quelques années. Et là, je l'ai eu, alors je ne sais pas souvent, mais quelques fois, je l'ai eu en mars, et il allait très bien. Je savais, je suis tout le staff. On a le staff technique, staff médical qui vient aussi. Enfin, un gros repas tous ensemble pour discuter, parce qu'on a une association. Savoir qu'on a versé plus de entre 6 et 8 millions d'euros à des associations grâce à des matchs qu'on avait fait. Alors maintenant, on a un studio, on est un peu vieux, donc on a du mal à récolter du pognon, mais on a essayé d'aider encore. Un match de foot, c'est un peu une pièce de théâtre, et justement, le théâtre, t'es tombé dedans. Ouais. Tu disais que c'était une passion.